majoritairement à Montpellier, mais un peu partout en France et partout où on vient de recevoir. C'est un groupe de 8 musiciens, donc composé d'une batterie, d'une basse, d'une guitare, clavier, dont un orgue, une trompette, un saxophone ténor, pardon, et un saxophone alto. Donc on est 8. Et ce qu'on aime jouer, c'est principalement du reggae, mais pas que. On aime bien y mettre pas mal d'influence. Pour le showcase à la médiathèque, ça allait être compliqué de venir à 8, vous en doutez. Par contre, on a cette formule en duo, plutôt reggae acoustique. Donc on va essayer de vous présenter notre musique, même si ça ne reflète pas du tout ce qu'on fait à 8, vous l'imaginez. Et on va vous jouer quelques-unes de nos compositions. Bon, on a décidé de faire un peu, on a décidé là avant de commencer, de faire un peu chronologiquement, un peu comment nous on a créé nos morceaux. Donc, on a enregistré un album il y a 4 ans, qu'on a amené ici, qui est disponible ici. Donc, on va jouer un morceau de ce premier album, c'est un des premiers morceaux qu'on a inventé, qu'on a créé ensemble. Ce morceau, il s'appelle Mama. Bien qu'il puisse parler de toutes les mères, il parle surtout de la plus vieille de nos mères, la Terre. Et du coup, on a la chance d'avoir des invités surprises ici. Et je vais vous présenter Josh qui joue du kété. C'est une percussion qui est typique de la culture rasta. Et la culture rasta qui est liée à la musique reggae. C'est un élément très très crucial dans la musique reggae, dans le sens où ce qu'il tape, c'est une espèce de battement de cœur. Vous allez voir. On appelle ça le Naya Bingi. Et le Naya Bingi, c'est aussi une occasion pour les gens de se rassembler, de communier, de partager et de vibrer ensemble. Ok ? Donc, je vais laisser ma place à Josh pour qu'il puisse s'asseoir tranquillement et jouer. Et on va essayer de jouer ce morceau Mama. Thank you.
moi ça, car quand elle se fâche, plus de place pour le lâche. Ceux qui savent la préserver, elle rend les autres, elle les cache. Car on ne fâche pas, non, je sais celle qui donne la vie. On remercie, on sourit, oui, on se tient bien gentil. On se doit de donner en retour, car comparé à son amour, ce qu'on lui donnera sera toujours trop petit. Attention, maman, que tu le veuilles ou pas, c'est d'abord grâce à elle que tu es là. Observe, maman, elle te réapprendra le savoir vivre et d'autres choses déjà en toi. Aime-la, maman, elle te le rendra à tel niveau que tu imagines. Même ma protège, maman, de la folie de l'homme qui n'est encore une fois dans le salon. Because of the
Ok, pour revenir un peu sur le morceau et sur les paroles, je ne sais pas si tout le monde est anglophone et tout le monde arrive à suivre quand ça parle en anglais. Difficile des fois. Pour résumer ce morceau, c'est une petite ritournelle pour expliquer un peu des fois l'espèce de cercle vicieux dans lequel on est. À savoir que la fatigue amène l'inconscience et que ça se nourrit l'un l'autre. Et les gens sont trop fatigués pour arriver à être conscients. Il y a trop d'inconscience pour ne pas être fatigué. Voilà. Le prochain morceau, c'est On s'enferme. Mais oui, parce que c'est pas très rigolo ce que je vais me dire, mais il y a des choses qui se passent pas très rigolotes et il faut les regarder en face aussi. Ce morceau s'appelle On s'enferme, à troisième personne, parce que on parle pas de nous là, mais de certaines personnes. Et si on peut en parler, c'est parce qu'on a tous vécu à un moment donné une manière de s'isoler, qu'elle soit psychologique ou autre. Ce morceau, il parle de la fermeture d'esprit, quelle qu'elle soit, à tout niveau, dans tous les domaines. Vous le sentirez, évidemment, ça parle surtout de la discrimination qui vise surtout les gens issus de l'immigration. Mais ce morceau ne parle pas que de ça. Il faut savoir que l'enfermement et l'isolement n'épargnent personne et que n'importe qui peut finir par s'isoler dans sa tête pour n'importe quelle raison. Voilà, ce morceau il parle de tous les types d'enfermement. Et pardon, on va la dédicacer à Robert Ménard, si ça vous va. Thank you.
parce qu'ici faut se protéger de tout. Je m'enferme parce qu'ici faut se méfier de tout. Le problème c'est qu'ils nous mentent et nous mettent à bout, jusqu'à même nous faire peur, dissoudre nos coups. Faut que tu comprennes que je me rends pas compte et toi non plus, que toutes ces lois sont mal faites et faites pour nous la mettre au bout. Je m'enferme, isole les autres et d'un peu tout. Je m'écarte même des miens aussi, mais c'est juste au cas où. C'est l'enfer dans ma tête, y'a plus rien. À vrai dire, j'y connais pas grand chose, mais peut-être bien que tu serais plus efficace si tu lâchais ta dose de blême, de merde, de prose et de fausses angoisses. Tu sais que si tu vis que comme ça, tu vas t'attirer l'angoisse. La grande osmose est engendrée que par le cosmos. Alors sors de ta psychose et pour ta cause, bosse sur cette terre. On s'enferme, c'est l'enfer. Oh, on s'enterre. Les médias, ils veulent que l'étranger soit puni. En toute impunité, ils se fâchent mais se cachent, car ont juste peur de l'inconnu, hein, et qu'ils le sachent. Pas être reconnu facho, ce serait pas beau. Cela s'enferme dans des discours de parano. Y'a des blocs qui sont sympas, des beurs qui sont sympas, mais qu'ils le veuillent ou pas, on peut pas accueillir tout le monde chez soi. Ils s'enferment dans la peur insensée de leurs semblables, ça ils veulent le nier. Pour les différences de coutumes, de peau ou de religion, certains oublient qu'on est humain et se posent beaucoup trop de questions. On est tous unis au fond comme des frères et sœurs, fils d'une même planète. Je suis pas net, tu dis que je te fais peur. En enfer dans un tel climat orageux, j'arrive même plus à croire que le ciel puisse être bleu. Tout ce qui s'enferme, c'est clair. Tout cette terre.
habite à Béziers, comment ça se passe? On se rend bien à Béziers? Il faut le dire. Il faut qu'on passe le message. Le prochain morceau s'appelle Les gens qui s'aiment. Je pense que c'est le bon moment pour dire que moi je suis née à Béziers et que j'habite dans l'arrière-pays, à Saint-Nazaire de la Darrèce, un petit village de 300 habitants, à peine un peu plus. Et qu'on est plein comme ça à vouloir vivre à la campagne de notre génération et même les générations qui arrivent, puisque on nous éloigne de plus en plus de notre nature, on fait tout pour la retrouver. Et vivre à la campagne, pour certains, c'est une des solutions. C'est pas la solution ultime pour tout le monde, c'est pas ce qu'on dit. Par contre, ça l'est pour beaucoup de gens. Et ça nous permet, en tout cas, en l'occurrence, de réapprendre des choses très simples, comme faire pousser des choses. Et faire pousser des choses pour se nourrir. Chose que, apparemment, nous, qui se perd énormément. Et même en parlant à certains anciens sur les marchés, je me suis amusée à faire des micro-trottoirs et je suis tombée sur des anciens qui ne faisaient même plus pousser de choses non plus. Qui ne le savaient même pas. Ils ne savaient même pas comment le faire. D'où l'urgence de se poser ces questions-là, de liberté des semences, de l'origine des semences et d'apprendre à faire pousser de nos mains. Je ne suis pas contre la répartition des tâches. S'il y a des gens qui veulent s'occuper de nourrir le monde, tant mieux. Mais en tant qu'humain, c'est quand même, ce serait quand même pas mal qu'on sache au moins comment ça pousse seulement un brin d'herbe ou un plant de tomate. Voilà. Du coup, ce morceau s'appelle « Les gens qui s'aiment ». Ah oui, et d'ailleurs, j'en profite, rappelle-moi la dame qui fait une proposition aujourd'hui. Son nom, Madame Cardier, je crois. Sylvie Cardier, je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Il y a une super exposition qui vient d'ouvrir depuis ce matin à 11h à la médiathèque. Et qui fait des œuvres d'art. C'est une dame qui fait des œuvres d'art à base de graines et de fruits. Et de plein d'éléments naturels. Je vous invite à aller la voir. J'ai vu que quelques photos pour le moment et ça a l'air vraiment cool. Surveille-leur quand même. Let me see.
Bye.